بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Alors, mes frères et mes sœurs, nous saluons cette fois salutations de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, sans plus tarder, nous passons à nos explications tafsir al-sirat al-mustaqim. Et, alhamdulillah, nous finissons à bout de plusieurs points concernant As-Sirat al-Mustaqim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans ce livre al-Qur'an, pas dans un des trois surahs, mais dans plusieurs surahs, dans différentes façons et avec différentes descriptions et avec différentes appellations. Un musulman, comment nous apprendre, dans toute l'époque, dans tous les temps, pour continuer un groupe musulman, c'est à nous d'apprendre cette caractéristique et qui Allah subhanahu wa ta'ala, comment Allah fin décrire sa manna, comment Rasulullah fin décrire dans le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il nous mange, nous emboîte le pas de sa manne prédécesseur. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avec nos premiers points que nous avons ce soir, les fin trace un seul chemin de la vérité. Et c'est un dessin qu'il est fait. Une fois, tu as un bâton dans son main. Comment il est rapporté par le sahabi Ibn Mas'ud. Et ça, hadith-là, mon frère, il y a beaucoup de monde pas content de ce hadith-là. Beaucoup de monde pas content de ce hadith-là. Surtout, il y a des gens qui invitent vers l'unité, comment dire, fictif. L'unité fictif, beaucoup, je pas content de ce hadith-là. Parce que les à l'encontre des autres, il y a à l'encontre des autres façons de présenter l'islam. Il y a à l'encontre des autres façons présente l'islam. Il y a à l'encontre des autres façons des autres présente l'islam. Alors, une fois Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'on a rapporté par Ibn Mas'ud, il dit, une fois Rasulullah fait une trace, une ligne pour nous, avec un bâton qui est dans son amène une trace en la ligne comme ça, et les fin dire ça chemin Allah, c'est-à-dire la ligne à droite, et dire ça c'est chemin Allah. Ça même qui est mentionné dans surah 12, surah Yusuf, et Rasulullah pour mentionner ayat là. Alors, une trace en la ligne, ensuite, les fin dire ça c'est chemin Allah, c'est-à-dire la droite. Ensuite, les fin trace dans ce droite et ce gauche, ben, la ligne, comment les autres, piquant poisson comme ça, comment il était? Dans ce des côtés, la bande piquante, comme ça, une tracée, dans ce droite et gauche. Ensuite, les fin dire, ça, c'est un chemin éparpillé. C'est-à-dire, ça, un chemin qui, dans ce droite et gauche, ça, c'est un chemin éparpillé, c'est-à-dire, un chemin d'élégamment. Et dans Hadith, ça, il fait tafsir, il dit, le chaque chemin est un chaitan qui invite vers ça. Le chaque chemin est un chaitan qui invite vers ça. Ça même qu'il est beau dire dans notre Hadith, doa à la abwab jahannam. Ça même, vous avez fait très attention. Très, très attention, mon frère. Alors, à cause ça, qui, comme Ibn Sirin, il dit ça, sa dîna, sa connaissance, c'est ça même te dîne. La connaissance qui te peut apprendre avec un dîmon, basant l'eau là, qui te peut pratiquer te dîne, et ça, il peut amener toi, soit dans l'enfer, soit dans le paradis. Alors, il dit, faltan, amman ta'khuduna dînakum. Alors, guette bien avec qui ça n'a pas de dîne. Parce que le seul n'a pas de nous. Guette bien avec qui ça n'a pas de dîne. Alors, comment ça vient de passer, moi, tu dis, et dîmon, moi, je prends avec tout, moi, vous pensez ce qui est bon, vous pensez ce qui est pas bon. Vous allez les spécialiser dans différencier entre bon et pas bon. Pour qu'on différencie entre bon et pas bon, les discernements, comment on appelle ça, faudrait-nous la connaissance. Faudrait-nous la connaissance pour connaître ça bon et ça pas bon. Donc, Rasulullah fini dit à nous, pour un bon, la ligne droite, et des côtés, pour un pas bon. Pour un pas bon. Ensuite, il dit, ça, c'est un chemin
qui éparpillé le chaque chemin et a un shaitan qui habite ça. Shaitan moyman insan, pas shaitan moyman banjin. Alors comprend bien là. Dites bien que comment Rasulullah peut qualifier banjimun qui habite vers les gars? Vers les gars, peut qualifier comme shaitan. Alors je vous propose un propre cochon, moi. Moi en tant qu'un suivi, un lemen, un djimun peut causer. Est-ce qu'il m'a pas supposé connaître? Est-ce qu'il peut dire vrai ou faux? Pour me connaître, est-ce qu'il peut dire vrai ou faux? Est-ce qu'il peut expliquer din? Comment besoin? Moi pas besoin de connaissance, moi. À cause ça qui Imam Shafi il dit, tu vois, vous gagnez connaissance, excepté pour suivre six petites choses. Parmi là-dedans, il dit, sohbatu ustaz. Obligé assise avec un ustaz. Un ustaz, pas juste, comment dire, ligne un petit ustaz. Un ustaz, un djimoun qui a connaissance. Un djimoun qui a connaissance. Donc, ensuite, les brouilles finissent, ça ayat là, wa anna hadha sirati mustaqima, fattabi'uhu wa la tattabi'u subula. Il finit ayat Quran qui trouve dans surah. Surah Yusuf, surah 12, verset 108, ça, c'est mon chemin, non, sorry, surah 6, verset 153, wa anna ça, c'est mon chemin droit, fait tabi'ou, c'est un lot depuis Allah, subhanahu wa ta'ala, pour suivre l'islam authentique, wa la tabi'ou subul, et n'a pas suivi un chemin, qui en trouve dans droite et gauche, fait tafarraqa bikum an sabili, ça, mon chemin-là, amène tout vers les gars. C'est ça qu'appelle Ahlus Sunnah wal Jama'a, et, parle de Haman chemin là, vini rassembler le sa chemin, chemin droite là. Ça qu'appelle Ahlus Sunnah, ou al-Jama, ben qui suivent Sunnah, chemin que Rasulullah fin tracé, et chemin que Allah subhanahu wa ta'ala fin satisfait avec, avec ça, ou ban jimoun. Alors donc, il clair pour qu'il nous arrive à une conclusion qui, Jamaat est un seul chemin. Vrai Jamaat est un seul chemin droite qui nous vous obligez mars, mars l'eau là, et pour arriver jusqu'à Jahannam, il y en a plusieurs. Bazon, ça a dit ça, mon frère. Alors, pour arriver jusqu'à Jahannam, combien de chemins il y en a? Un seul. Pour arriver jusqu'à Jahannam, combien de chemins il y en a? Plusieurs chemins. À cause ça qui, un musulman, il besoin, en doublement, triplement, précaution. Donc, ça, c'est le premier point pour ce soir. Rasulullah, combien de chemins il y a tracé pour la vérité? Un seul chemin. Fausté, combien de chemins il y a tracé? Plusieurs chemins. Alors, je vous avoue, précaution. Définitivement, nous vous apprend précaution quand nos pratiques nous dînent. Mais c'est bon, ça vient de passer, nous t'y causons un masala. C'est un cas, rappelle-moi un masala. Ikhtila, divergence dans dîn. Nous t'y dire, façon qui vient expliquer divergence dans dîn, une mal, mal expliqué. Si y en a du monde, tu viens dire dans la droite, chemin droite là, il y a certaines ibadettes, il y a plusieurs façons de faire. Il n'est pas rentré dans sa main, je vais travailler là, il est déjà dans son chemin, droite là, par exemple. Nous, tu prends un exemple, on va me rappeler, un autre exemple qui est dans la tête. Raful yadain. Quand nous levez libre dans le cou. Quand nous levez libre dans le cou, comment nous levez nous faire? Raful yadain, sami Allahu liman, hamida. Comment nous levez tout de suite nous faire raful yadain? Ça a une façon. Et une autre façon, nous levez, sami Allahu liman, hamida, Allahumma rabbana wa lakal ham hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, ila samawati ila radiz ka la fin. Ensuite, zis avant pour aller dans le cou, la namolé, la main fait raful yadain. Si mon vini vous montrez ça à l'école des pensées, ça le temps l'école des pensées. Il dit, comment il n'a pas cause? Dis tout, il n'a pas cause. Vous oubliez, il dit, vous, il y a deux façons de faire ici. Un comme ça, et un comme ça. Et, tiens là, à l'époque, peut-être, ben, grand, vous connaissez, ben, qui est assez âgé, vous connaissez, tiens là, certains du monde, dans sa pays-là, pour différencier, deux ban, qui déjà pratiquent la folie d'un, après le recours, déjà, nous pas fait comme ban, là, nous pas pareil comme zut, nous. Nous attendons, avant leur recours, là, tu fais lève la main. Zispou, ça c'est division. Ça c'est division. Mal interprété. Et carrément, non, nous pas comment banan. Non. Nous disons, explique Banjimoun, qui veut dire divergence tenawo, qui c'est chemin droite, et divergence ta droite, ça va le chemin, traviera. Ça, comme ça, qui t'y explique ça dans sa façon. Donc ça c'est nos premiers points. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il trace la ligne droite, un seul, il dit, ça c'est chemin Allah qui amène vers Dianet. Suive ça, n'a pas suivi ban souboul dans droite et dans gauche. Ça nous premier point. Nous deuxième point pour ce soir, ban frère, on a quatre points pour ce soir. Ban prédécesseur. Quand nous disons prédécesseur, c'est même en arabe, nous disons ban saint, ban salaf. Ban salaf, c'est ban prédécesseur. Beaucoup du monde aujourd'hui nous dit, oh, il faut, avec toute franchise, gain, payer avec les mots salaf. Quand on dit salaf, comment dire, un nouveau sec qui vient former, non. Salaf, c'est un mot qui a la fin de servir dans le Coran, il l'a maqad, salaf. Rasulullah peut dire à Fatima, mo'en ni'ma salaf pour toi. A dire, mo'en
meilleur prédécesseur. C'est-à-dire, moi, je presse le temps pour aller. Quand tu mots, quand mon fini mot, tu ne trappes moi, tu suives, alors ce mot pour un salaf pour toi. Ça veut dire salaf. Ça veut dire salaf. Quand nous causons salaf, ça côté linguistique. Quand nous causons salaf, dans la charia, c'est, veut dire, ban génération avant nous. Veut dire salaf. Mais c'est moi, nous faisons ajouter avec lui salaf, as-salé, ban pied prédécesseur. Ban sahaba, ban tabi, ban tabi. Tabéine et tout ben ulama musulman qui finit en boîte le pas de ben sahaba tabi tabi tabi. Comme Abu Hanifa, Malik, Shafi, Ahmed, Al-Auza'i, Abu Ishaq, etc., etc. Alors ça c'est ben salaf. Donc quand nous gagnons ben salaf, nous commençons avec sahaba. Quand nous disons salaf, c'est qui gagne une cause salaf, n'est pas cause sahaba, je lui arrête causer. C'est qui gagne une cause salaf, n'est pas mention sahaba, je lui arrête. Arrête de causer. Le sahabi, Hudhayfa, il dit, connais qui vrai légalement, c'est qui te commence, trouve, qui te fait trouver mauvais comme bon. Ça, c'est une petite chose, comme bonne copie, qui nous trouve les autres. Vrai légalement, c'est, nous commence, trouve, qui te fait trouver mauvais avant, comme bon. Bien, pour l'exemple. Bien, pour l'exemple, Allah, Bazar, qui appelle Dawa. Excusez-moi, il dit comme ça, je dis. Bazar, qui appelle, la foi, qui appelle Dawa, on peut trouver. Ça même qui chose qui me fait trouver pas bon avant, ça même qui chose devient extra bon aujourd'hui. Moi, défendre ça qui chose. Ça, c'est prédiction de Rasulullah, de Hadith de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, et ça, c'est parole de Sahaba. Alors, ce qu'on est qui vrai légalement, c'est qui te commence, trouve qui chose, qui te fait trouver mauvais comme bon, et te trouve qui chose, qui te fait trouver comme bon, mauvais. Attention, qui te sens couler dans din Allah, ta'ala, parce qu'il din Allah li, et haine. La vérité, tout le temps, il reste la vérité. Il n'est pas qu'à se dire, il faut dire, comme on a un problème personnel avec, Aladdin. Non, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Mon gain problème, pas gain problème. La vérité, c'est la vérité. La vérité, les, donc, ben, salaf, in avait, tu nous comptes, sa maladie qui appelle sans couleur. Donc, connais, nos rassos, sallallahu alayhi wa sallam, il trace un chemin, il fait un dessin. L'eau, la terre, l'eau, du sable, un, rien à ligne droite. Dans ce droite, et gauche, du moment, on a man fait, il y a un peu comme ça, là. Alors, dans droite, dans gauche, et n'a ban chemin, l'indien, ça, c'est ban chemin des légats, légalement, amène vers l'enfer. Ça, c'est chemin, Allah, suive ce chemin-là. Donc, mon pas capable, moi, dire, reste les bras croisés, il me dire, ah, avec tout musulman, même. Non, mon pas sa qualité d'île, là, moi. Mon pas supposé pratiquer sa qualité d'île, là. Alors, ça, c'est parole, le sahabi, Hudhayfa ibn al-Yaman. Hudhayfa ibn al-Yaman, pour ça, là, il peut dire à cause, là. Il peut adresser Abdullah ibn Mas'oud. Rien? Coïncidence, non? Il peut adresser Abdullah ibn Mas'oud, radiallahu anhu. Un grand sahabi peut adresser un autre grand sahabi, peut donner sa conseil, là. Il dit, vrai légalement, c'est de trouver ce qui pas bon, bon et bon pas, et bon pas, pas bon. Je fais l'inverse dans, dit Allah, dans ce sens, sans sens courir. Ça, c'est parole des ban sahaba. Nous prenons parole d'un tabi, al-Nakhai, al-Imam al-Nakhai, il dit, ban là, tu peux considérer l'instabilité dans din comme une maladie. Rien. Zizkaler, et n'a dit, on peut pas convaincre. Ça, la vérité, ça fausse. Mais quand? Quand nous pouvons convaincre, ça, c'est la vérité, ça se fausse. Rien. Un temps, moi, la vérité, moi, défendre. Après, moi, je dis, non, tu connais bien, non, on m'a pas trop divisé. Non, personne n'avait divisé, on m'a. Quand on a le suivre, fausseté, qu'après, division, le brin, dit, non, allez, à un chemin droite, là, suivre ça, n'a pas suivi ça. Moi, je dis, non. Tout un seul, hein? Non, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Alors, ben là, tu peux considérer l'instabilité dans Dine comme une maladie à cause d'outre qui est là dans l'équerre concernant Allah. Et il est rapporté par Ibrahim al-Nakhai en politique, ben là, tu peux détester qu'un dimon les sans couler en ce qui concerne ce Dine. Soit là. Il n'est pas qu'à dire non. Comme ça. Excepté si vraiment, dimon, il fait rire. Ben, sahaba, certainement sahabi, comme Aïcha, radiallahu anhu, tu corris certainement, ben, sahaba, tout de suite, nous sommes censés. Excepté s'il y a une erreur, oui, nous sommes censés. Mais s'il n'est pas une erreur. Pas qu'à cause de mon l'amènement aujourd'hui en Sanala, et mon sang beau, moi là-bas, l'amènement commence, critique Sanala. Même ce qu'il veut faire là, c'est la vérité. Là, c'est un gros maladie, ça. Ça, c'est un gros maladie. Donc, l'imam, Shaab, il dit, simplement, ban, quitte avant eux, fin détruire eux, dans eux, chemin, fin vine en plusieurs branches. Et bien là. Un chemin, il n'y a pas quand même une plusieurs branches. Alors, quand on a un chemin, une plusieurs branches, et ben là, il faut dévier du chemin droit,
ben là, fin kit asar, c'est-à-dire preuve, et je fin cause concernant din avec l'esprit. Nous montrer, nous faisons ça, on va faire comme ça. L'esprit trouve, dans lesquels nous parlons d'Ahama Salam, frère, ma soeur. Alors, je fin commence cause concernant din, basant les autres l'esprit, et alors, je fin égaré, et je fin égaré les autres. Faire très, très attention. Faire très attention. Ça dit, mon koutrouli. Prends le Coran, monte le mimbar, ou soit, déboute-le à une plateforme, les ouvert, les commence, explique par lui. Faites très attention. Faites très, très attention avec ça, sa qualité du monde. Clair? Parce que, Coran, oui, un parmi, ben, explication du Coran, c'est langage arabe. Si nous pas trouve, ayat Coran a expliqué par ayat Coran, vous comprenez bien, hein, ayat Coran explique ayat Coran, et un livre spécifique, le comment appeler? Et un livre unique au monde, pas fini d'exister avant lui, et après l'ici, pas pour exister. Parce que c'est là qui pourrait le faire, ça. Un travail des amis, hein. Non, un livre tafsir, pas un mauritanien. Il s'est immigré à Medina, il s'est dans la chambre des Saoudiens, pas un mauritanien. Adwa ul Bayan, il a mis le champ, champ chrétien. Mais avant l'ité amini, il arrive jusqu'à sur al-Hujurat, je ne m'en pas tromper, il finit l'intégral, là, ce zélé, Mohamed Atiya Salim, un autre égyptien, qui ici, tu habite à Medina, l'ingène d'enfalté saoudienne, l'île complétée jusqu'à la fin. Donc, dans le Coran, on a 6236 ayats de Coran. Est-ce qu'il nous gagne 6236 ayats pour expliquer 6236? C'est là, l'ivine, 12472. Hein? Il peut pas exister, ça. Donc, pas tout ayat de Coran qui est un ayat de Coran qui explique. C'est pas tout ayat de Coran qui finit là, l'ayat de Coran qui finit expliqué, il finit amené, il finit compilé dans sa livre. Extraordinaire, sa livre. Un livre extraordinaire. Donc, si nous pas trouvons ayat Coran, explique ayat Coran, nous allons dire dans le hadith. Si nous pas trouvons hadith, nous prenons parole des bannes. Sahaba, après ça, nous l'avons divisé. Mais langage arabe, on dit, mais explique, est-ce qu'il explique Coran? Oui. Il explique Coran. Parce que Allah fait descendre Coran dans un langage arabe clair et facile. Bilisanin arabiyim mubin, comme Allah le dit. Bilisanin arabiyim mubin, avec un langage arabe clair, qui se touche, je peux comprendre. Si qui gagne pas, je peux comprendre. À cause de la dialecte, je demande Rasulullah. Par exemple, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait dire, ça a été là, fin de sang, alladhina amanu, walam yalbisu imanum bidhulmin, ulaika lahumul amnu, wa hum muhtadun. Ben, ça va bien. Il y a un pire. Ben, qui finalement, iman, et je pas fin mélange iman avec zulm, avec l'injustice, ça va c'est ben, qui prend sécurité, et c'est ben bien, qui dit, quand ça va bien, tant ça, chacun pense sur la case, chacun pense ben zulm qui lui fait, qui ça va qui va au minou ben faire zulm? Là, il pourrait dire non. Zulm ici, pas veut dire, zulm l'injustice, qui m'ont fait en vis-à-vis mon frère. Zulm ici veut dire, shirk. Je pantan, al-Abdou Sari, le commande peut dire à ce garçon, ya bunaya la tushrik billah, inna shirk la zulm. Zulmun azim. Ça, zulm là, ici veut dire shirk. Alors, ça c'est explication de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, basant le hadith. Donc, si nous pas trouvons là-bas, c'est langage arabe. Et là, qui se dans le Coran, pas besoin. Ayat Coran, pas besoin, hadith, pas besoin, non, il comprend. Créant. Ben, qui se sent, comprend. Mais il y a qui se sent, donc, obligé, il y a un tafsir de ban, salaf. Alors, ben, ulama fin avéati contre sa maladie, sans courir. Et, ban ulama, basant le ban preuve, fin aussi, dit clairement, qu'il y a un seul groupe de la vérité. Nous besoin juste identifier. Nous besoin juste identifier. Par qui nous identifier? Ni par appellation, ni par quantité du monde qui suivent lui, ni par couleur pavillon, ni par couleur pas gris, non. Loin de tout cela. Par qui nous identifier lui? Par ce contenu. Par ce contenu. Est-ce qu'il se contenu, c'est Coran et Sunna, comment man salaf fin pratiquer? Alhamdulillah. Si c'est pas comme ça, alors nous mettons dans quoi? Alors, ben, on a fin dire clairement qu'il y a un seul groupe de qui la vérité. Et, Ibn Hazm parmi les dire, ahle Sunna, qui nous peut faire mention des ban là, les gens de la vérité, et ban, apporte ban là, c'est ban, ahlul bida. L'IA peut lâcher un point de ce moment-là. Parce que quand on prend ahlul sunnah, si vous parlez dans l'Afrique, vous êtes ahlul sunnah. Ahlul sunnah fait avoir frabar et un problème, là. Dans l'Afrique, si vous pouvez aller, dans l'Afrique noire, on peut dire, là. C'est-à-dire l'Afrique centrale et noire, pas l'Afrique du Nord. Dans l'Afrique du Nord aussi, il y en a. Dans l'Afrique du Dino, en Ali, un Égyptien, pas un Égyptien, un Tunisien, c'est pas un, mon père me rappelle, les Djiboutiens, ils disent, nous pouvons faire tawaf, kabar, nous, qu'est-ce que nous faire? Parce que nous, dada, nous pas de dada, faire.
Ça, comme ça, qui nous rapproche avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Clair? Alors, quand nous pouvons être dans l'Afrique, encore dans les autres régions, il y en a beaucoup qui appellent Ahl al-Sunnah, Ahl al-Sunnah, Ahl al-Sunnah. Mais c'est dans notre affaire, Tawaf Qabar, il y a prié djinn. Il y a prié djinn dans Maurice Dimonado djinn, si vous ne connaissez pas. Vous venez chercher dans les sentiers. Dans Maurice Dimonado djinn. Et s'il n'est pas Ado djinn, ben, djinn pas pour travailler pour lui. Hein, bah, Ibrahim. S'il n'est pas Ado djinn, djinn pas travailler pour. Qui croit djinn, il travaille. Cadeau pour, non. Si il contrat, tu fais ça pour moi, on fait ça pour toi. Alors, malgré ça, il appelle Ahl al-Sunnah. Mais qui veut dire Ahl al-Sunnah? Ahl al-Sunnah, pas qu'Ahl al-Bida. Ahl al-Sunnah, comme j'ai expliqué la semaine passée, c'est Ahl al-Ban qui pratique Sunnah. Pas Ban qui pratique Bida et appelle d'autres Ahl al-Sunnah. Donc, c'est lui qui, et nous mentionnons un hadith qui est hadith. Il y a une cité dans les sondines. C'est lui qui se? C'est lui qui se? Action pas propulser, lui pas avancer vers Jannat. Ce nom pas pour? Avance lui dans l'exemple, Abu Lahab, Abu Talib, etc. C'était ban nom, ban arabe, ban Qurashi. Mais c'est moi, est-ce qu'il y a l'âme derrière? Quraish, tout Jannat, ça, hein? Sans exception, ça, ban VVIP, ça. Jannat, non. Et non, Quraish, c'est dans le fond de l'enfer, ban Mouna, ban Mouna, en fait. Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, il dit, il n'est pas correct, divise Ahl al-Sunnah en des groupes, mais c'est un seul groupe. Qui ça groupe là, ça? C'est Kilo, sachez, mec, il est sur le lac, il tracé là. Suivre ça, n'a pas suivi ça, man, chez mes droites, et gauche. Donc, ça, c'est nous, troisième point. Pour ce soir, nous prenons parole de Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il dit, n'importe qui ça, là, qui contredit Jamaat Ahl al-Sunnah. C'est-à-dire, Jamaat, il regroupait le Sunnah, l'IN du monde dans les gars? Dans les gars, même comment il appelle lui? Même comment il appelle lui? Clair? Nous pas en chez nous, excepté un seul Jamaat. Clair? Et c'est Ahl al-Sunnah wal Jamaat. Ça, c'est un chemin, il est beau, titra. Tracé là, au milieu, les titres, c'est une droite. Des côtés, les titres, c'est une travers. Nous, on a une droite, les restes, travers. Fama, d'abba, d'al-haq, il a dolal. Après, haq, paye la noyé, excepté dolal. C'est bon? Chacun, ce légament, il est pas pareil, comment? Ce camarade, il a ce légament bien concentré, même. Il a ce légament, non. Certains qui sont, ils tombent dans les légament. Mais beaucoup qui sont au correct, Ali. Mais est-ce qu'ils vont l'apprendre avec sa mentalité, là? Là, qui problème, la vie, là? Là, qui certains disent, bon, on prend ce qui est bon, on quitte ce qui est pas bon. Ben, Olama dit, même, un langage, même comme un langage arabe n'a pas à l'apprendre avec un djimoun qui n'a bida dans lui. Même langage arabe, grammaire arabe n'a pas assise avec un djimoun qui n'a bida dans lui ou apprendre. D'ailleurs, pensez qu'il fait, doucement, doucement, ou pour créer l'amour pour lui, ou pour commencer à supporter lui, ou pour commencer à défendre lui, parce qu'il est fait une ville ou stars, faire très attention avec sa quitte aux âmes, frère, et ma soeur. Et nous prenons un dernier point pour ce soir, qui est assez long, nous voulons maximum preuve qu'il y a là-dedans, mon frère et ma soeur, c'est, est-ce qui, ban, qui l'a sa chemin, qui les brûle, fin tracé, qui, Allah, fin de l'autre, suive ça, wa anna hadha sirati mustaqiman, fattabi'uhu, ça même qu'Allah dit, ihdina as-sirat al-mustaqim dans surah Fatiha, est-ce qui, ban, qui mange l'eau, là? Nous vous trouvons beaucoup, ou ça nous trouvons tiki-tiki. Ça, c'est un lot, point très important, c'est un musulman qui comprend ce point-là, il peut comprendre qu'il peut arriver à l'entour d'Eli. Il n'est pas pour impressionner, pour s'en aller, il ne gagne pas 80 000 views. 80 000 views. Rien. Ça en arrive 1 million views. Rien. Ça en aller, il peut dire, moi, c'est quand même ma non-musulman te suit moi. Moi, c'est ma non-musulman suit moi. Alors, ce qui arrive au film, ça ne prête pas la vérité. Rien. Beaucoup de non-musulmans, s'ils n'ont pas connu, ben, frère, ben, qui les réseaux sociaux, beaucoup de non-musulmans contents, écoute, ben, orateur musulman, clair? Je trouve le message, ça message là, il est très sûr. Et s'il y a tous ces gens qui vont dire, ils concernent tout religion, par exemple, mariage, talak, ben, ça fait comme ça, ben, ça fait comportement, caractère. Pourquoi nous, musulmans, s'ils n'ont pas connu, inquiétez, suivre. Clair? Alors, est-ce qu'ils nous, comment dire, identifier la vérité dans sa façon, là? Non. Parce qu'il est contre, dire, Coran et Sunna. Mais est-ce que ça veut dire, qu'ils vont dire, si, comment dire, fait, comment dire, Hadjamata peut augmenter, clair, Mazi, il dit, non, tout, il nous faisait restiguer, tu sais, ben, en plus, cavaler, parce qu'il nous faisait restiguer, tout, il compte ça. Il n'est pas contre ça. Quand on peut dire, ban, qu'il a la vérité tout le temps, de tiguit, c'est-à-dire, en comparaison avec fausseté, tout le temps, ben, apparaît, tiguit, mais pas dire, nous faisait faire ses faux, comment dire, non, parce qu'il y en a dit, on interprète ça comme ça, dans sa pays-là, correct,
C'est-à-dire, non, vous a diminué vos jamaat, non. Non, qui s'en a? Nous tous invités vers l'unité. Nous vous invitons tous musulmans vers l'unité. Vine, unir le sunna. Qu'est-ce qu'il y a? Ou soit nous pouvons en Corée, quand quelqu'un vient unir le sunna, mais juif, non, qui ça? Qui veut autre juif rester guide? Qui fait? Parce qu'ils ont pas fait un dawa, maintenant. Ils ont pas fait dawa. Au contraire, ban qui témoigné, et nous apprenons, nous, en lecteur, en enseignant, vous êtes bien discriminatoire, hein. Un juif noir, il peut avoir le même traitement qu'un juif blanc. D'ailleurs, ils n'ont pas considéré les mounafiques. Tu vois, c'est une hypocrisie dans lesquels ils n'ont pas considéré les mêmes comme juifs. Parce qu'il est noir. Parce qu'il est noir. Alors, nous pas juifs, comme un yahoud, nous. Non. Nous tous obligés à Allah dire, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ça, c'est nous da'wa qui nous a fait. Wa'tasimu bihablillahi dans surah Ali. Al-Imran, nous sommes tous cramponnés avec la code Allah. Qui veut dire la code Allah? C'est ça, chemin qui est Rasulullah, tu t'as? Tracé là, nous tous obligés de suivre ça. Ça n'arrive pas pour qu'Amin suive ça parce qu'il suive tel Jimon. Le d'ailleurs, il suive tel fondateur, tel groupe, lui. Il suive, il n'est pas pour capable. Là, il est taxé ou non, ou qui veut faire division. Non, il n'est pas correct. Il n'est pas correct. Alors, est-ce qu'il manque un kilo à ce rat al-Mustaqim? Vous êtes en grande quantité? La réponse, c'est non. Alors, quand les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, ils commencent ce dawa, quand Jimon dans ma carte, ils trouvent sa dîne là, quand même, ils trouvent étrange, drôle. Bizarre, et majorité, ben, habitant, ma carte, accepté ou ça va t'accepter? Pas t'accepter. Ça, sunnat, là, jusqu'à aujourd'hui, encore, comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à Kayamat, il vous continue. Mais c'est pas tout le temps pour les gens du monde qui le lavent, le la vérité. Alors, Allah, subhanahu wa ta'ala, lui dit, concernant ce Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce verset, c'est d'aller, wa in tuti aksara man fil ardi, yudilluka an sabilillah. Si nous vous basons le quantité, nous vous guettez, nous vous disons la vérité, le quantité, ban la pou, connaît votre bout égaré de péché, mais Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la majorité d'imoun, la paix cause en tant que man religion qui existait. Mais, en général, les comme ça. En général, les comme ça, quand nous guettons, ban qui suivent sunna, ban qui la vérité, c'est bien, tu guettes, à cause ça qui nous dit ban frère et ban soeur pour un petit moment, tu as tout appellation qu'il y a dans l'esprit, mets-le dans quoi? Mets-le dans quoi pour un petit moment? Est-ce qu'il nous appelle ça, mettez ça sur la porte d'un coup à un moment. Claire? Un jour, on n'est qu'à appeler un nom. Qui, n'est pas, ou pas appelé ou pas ça. Mais c'est malgré la vérité. Nous dis, ce digne, pas interpellé, est-ce qu'il est le Coran et son nom? C'est long compréhension de Mansa? Mansahaba, Mantabi. Donc ça, c'est un avertissement de la part d'Allah. Il peut adresser sur le sol, il dit, si tu poursuives, majorité, ban kilo la terre, ban là pour égaratoire depuis les chemins droits. Depuis chemin Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, dans surah 12, surah Yusuf, verset 103, wa ma aktharun nasi wa la harasta bi mu'minin. Il y a, même te désir ardent, majorité, ban jimoun, pas pour amener iman, pas pour l'eau, le droit chemin. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il aussi prédit à mon frère et mon soeur, qui s'adine là, et qui commençait drôle, il est encore drôle, et il peut terminer drôle. On va lui dire dans, Hadith sur le Sahih Muslim, l'islam fin commence drôle, comme un dîner trans, il pour retourner trans, et à l'os donne la bonne nouvelle à ban étranger. Claire, ou pour tout, odd. Claire, ou pour tout, un adjoint grammatère tantôt, il pas qu'à quitter la barbe, grammatère tantôt, il critique la barbe. Qui fait à quoi il pas qu'à quitter la barbe? C'est tout si ou la barbe long. Claire, un adjoint, il y a un système, mon joint, dans, ici, dans, un peu dans sa environ là, dans sa région là, une fois, une baille, diamant. Et, dis pas qu'on est qui critique les bouffiers. Parce qu'il est malade en masjid. Il est malade en direction masjid. Claire. Il est pas content un tel vini. Il est content un tel vini. Chacun, on est, selon son désir. Il a envie du monde, selon son désir, vini. Alors, l'intro, moi, un peu, qu'à, à poser, moi, diamant. Ça a style fait khutba, là. Claire. Après khutba, il commande du monde, qu'est-ce que tu avais tout? T'as pas une fanny. Venez rire. Comment ça est-il fait khutba là? Est-ce que les prophètes font khutba comme ça? Vous allez voir. Il y a une preuve, vous allez voir, il y a une preuve. Clair? Bon, mais il y a une réponse. Ensuite, il y a vraiment une deuxième question, il y a est-ce qu'il y a un droit de faire salat sans mettre bonnet? Est-ce qu'il y a un droit de faire salat sans mettre bonnet? Est-ce qu'il y a un droit de donner azan sans mettre bonnet? Clair? Bon. Peine à doute, il n'est pas haram, les gens ne veulent pas faire salat, pas mettre bonnet et faire salat. Il n'est pas haram, lui. Mais c'est pas une bonne pratique, ça peut être un doute, déjà. Cheikh Khalal Bani, il dit, pas juste pour salat, qu'un musulman, il disait couvert la tête, un musulman, tout le temps, il est supposé couvrir
sur la tête, parce que c'était une pratique devant le musulman de tous les temps, tout le temps de me couvrir la tête. C'est pas ce qu'on fait en dans ce soir-là. Donc, on dit, ouais, mais il est pas haram. Il est pas haram. Et moi, c'est tout si man long là-bas, puis arrive cause de l'ombre, tu vois, là. Man n'a pas mettre bonnet. Voilà, qu'est-ce qu'on va lui piquer, là? C'est man qui long là-bas, puis arrive cause de l'ombre, là. Fait que moi, j'ai mon là-bas, avec arrive cause de l'ombre. Est-ce qu'il y en a 10 monde sur là-bas, arrive cause de l'ombre? Il y a gros, ça. Hein? Hein? Non, il y a une qui sont rose, hein, clair. Là-bas, pas haricot non plus. Et ben, nous, là-bas, clair, catégorique, là, même des haricots non plus, c'est pas coupé, c'est pas taillé. Clair. À moins, ben, que le madhab, Ibn Omar, clair, après une poignée taillée. Alors, ce qui fait au col une pique, ça? Parce que le premier point, il va de gagner, route bain, et bon, tu peux en coller, tu peux élever sur la voie, soit tu veux une rouge, tu peux en coller, comme si le père vient, tu comptes, un l'armée qui veut venir attaquer, comme ça, que tu peux faire route bain. Deuxième point, l'invini, là, le couvert la tête. Parce que ça baille qui donne azan de Hamazit côté aller là, bah, elle a pas couvert la tête. Tous les temps, vous connaissez pas couvert la tête. Il donne azan, elle fait imamat, tu pas couvert la tête. Il pas correct. Mais c'est moi, sur la compter de Yali. Il va que soit haram. Clair? Il va que soit haram. Sur la compter. Alors, j'ai mis le troisième point, long la bob. Ouais, je dis long la bob, je pas couvert la tête. Allez, fais comment tiens? Moi, je pas couvert la tête, je fais imam. Il pas correct, en guillemets, pas correct. Mais mon labob long. Fais comment j'arrive avec mon nombre. Correct, bye, hein? J'arrive avec mon nombre. Fais comment j'arrive avec mon nombre. Alors, c'est là, à quoi pas couvert la tête? Qu'est-ce que ça va? Il n'a pas couvert la tête, il fait sur la tête. Il vient tailler sur la barbe à cause ça. Non, oublie, il est haram, pas haram, là. Il est d'accord, lui. Oublie, il est haram, tu vois. Fais comment il est d'accord, il est haram, ça. À cause, il n'a pas couvert la tête. Fais comment il est imam de Hamazil. À cause, il n'a pas couvert la tête. Il vient tailler la barbe. Il vient arrêter de garder rosa. Il vient arrêter de faire bon action. Parce qu'il n'est pas couvert la tête. Ça, c'est une maladie, une épidémie dans sa oumad. Rien. Je t'en ai d'une autre façon. Qui a dit à le faire? Il va bien son voisin. Entendez? À quoi m'a pas bien mon voisin? M'a pas fait hajj? Rien. Ça, c'est une maladie, ça m'a fait. Ça, c'est une maladie. Alors, l'islam, pour commence étrange, l'étrange, l'étrange, étrange. Mais, ou pas besoin, sentir agacé. Péché, qui s'en a pas envie, nous n'a pas d'aller là, mais sans faire péché, là, hein. Qui s'en a pas envie, nous pas faire péché. Nous éviter, mais la fois, et on finit à arriver, nous mal cause avec nos madames. Nous mal cause avec nos enfants. Nous faisons l'injustice, en fait, entre nos enfants. Fini à arriver, ça. Et la fois, nous rigolons, finit à plein de choses qui haram, accidentellement, mais seulement après, un autre rigole qui suit, puis, arrivé. Et la fois, nous finissons, écoutons une chose qui haram. Et la fois, nous finissons tranquille, loin de l'injustice. Nous pas dire, nous peut pas tuer dans péché, mais c'est moi. Un musulman, il fait des efforts pour diminuer péché. Il va faire des efforts pour augmenter péché. Mais c'est moi, personne pas à l'abri. Nous tout vulnérables. Clair? Mais c'est moi, à cause ça qu'il y avait. Clair? Si moi, fait un péché, fait que moi, j'ai mon tombe dans un péché. À cause ça, moi, des autres actions, vous inquiétez. Alors, bah, là, moi, ouais, quitte long là-bas, après, donne un zan sans bonnet. Fait imamat sans bonnet. Oui, il est pas bon. Pas correct. Cheikh Albani, pas d'accord, dis-toi avec ça. Cheikh Albani, rahimahullah ta'ala, dis-toi, il est pas d'accord. Laisse-toi là, comme ça, un musulman, il mangeait la tête nuit, il dit, il n'est pas bon, Adam. Mais ça n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire. Et il y en a raison, quand vous êtes dans l'époque, longtemps, vignes, tout le temps, man sahaba, tout le temps, couvert la tête. À ce moment-là, vous venez arguer, l'eau, fait, allez, et n'a amené le culture. Et n'a amené le culture. C'est rien? Par exemple, j'ai là-bas, ça va être un grand débat, qu'il y en a dans la France, etc., etc. Il a mis costume, cravate. Qu'il y a, je l'amène l'eau qu'il tire. Et puis, non, il y a obligation, là. Cheikh Mourbeu, la loi dit, si vous prenez sur fatwa, le pantalon, c'est haram, même lui. Il est carrément haram. Mais c'est moi, c'est sur l'opinion. Mais, qu'est-ce ça? Faire, moi, j'ai mis pantalon, chemise. Ça n'a pas mettre sob. Ça n'a mettre kurta, comme un pakistanais mettait. Ça n'a pas mettre sur caleçon, chemise. Puis, il n'y a aucun problème, là-dedans. Aussi longtemps qu'il n'est pas en contradiction avec ban code vestimentaire islamique. Tant qu'il n'est pas contredit, ça correct. Par exemple, nous prenons un linge. Qu'il soit sobre, qu'il soit pantalon. S'il est collé le léco en djoun. Autant mettre sobre. S'il est collé le léco en djoun. Moi, je vais mettre un sobre, bien collé le au moins. Quelle est-ce? Gagne-moi. Pas gagne-moi. Parce que linge, pas gagne-moi d'une forme. Léco. Qu'il soit monsieur, qu'il soit madame. Qu'il y soit monsieur, qu'il y soit madame. Pas rien, non. Bon, mettre un linge, il est transparent.
Les biens flash, mais c'est pas les transparents. Correct, pas correct. Pas correct, pas ce qu'il fait. Nous n'avons pas gagné en transparent. Donc ça, il retourne à bah, le principe islamique. Mais pas veut dire à cause, il y a un péché dans moi, vous arrêtez de mettre ça. Ou soit il y a un péché dans moi, ou soit il y a un manquement dans moi, comme un frère là, il y a un manquement dans lui. Claire? Il n'est pas couvert la tête. Mais il y a un manquement, il n'est pas un péché ça. Un manquement, ça aime tout. Mais à cause ça, il a besoin d'arrêter de donner un zan. À cause ça, il a besoin d'arrêter de faire imamat. Non, il n'est pas correct du tout, man frère. Alors, l'islam, il commence étrange, il peut terminer étrange, comme Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, fait dire. Le sahabi Abdullah ibn Amr, il dit, un jour pendant qu'il nous chicote Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il fait dire, tout bas, à man étranger. Tout bas, à man étranger. Qui qu'un fin demander, ya Rasulullah, et qui s'en a man étranger? Qui s'en a man étranger, il fait dire, écoute bien, ban dimoun, qui pour vivre parmi eux, beaucoup mauvais djimoun. C'est-à-dire, ban bon djimoun qui pour vivre parmi beaucoup mauvais djimoun, ban qui pour désobéir à eux, pour plus, qui ban qui obéir à eux. Ça, c'est une réalité, ça. C'est-à-dire, ban tchikit bon djimoun qui pour vivre parmi beaucoup bon djimoun. Ban qui pour obéir à sa ban bon djimoun là, zo pou, tchikit. Quelqu'un? Alors, ça, c'est une réalité, nous pas pour capable, comment dire, en paix, ça qui t'osa arriver, et à cause ça qui vous trouvez dans le monde, c'est même qu'il vient, pas sans couler dans dîne. Une fois que vous connaissez ça, sunna, sa façon de faire de la sallallah, clair, qui dit le monde pour dire, pas qu'à sa tête. Dit le monde est là pour critiquer. Qu'ils ont là, un frère, il n'a vraiment une question. Évidemment, si carré cause l'eau là, il y a une fatiguée causée, une fatiguée dire. Mais nous pourrions dire, inshallah. Et, ouais, mais, coup de caba, monsieur, madame, mingle, je vais t'avoir. Mais qui peut cause pas allemand et asmique, c'est pas, c'est affaire, quoi, c'est rien. Alors, c'est un problème. Si vous pouvez justifier allemand et asmique, c'est pas tawaf, un problème. Ça, là, c'est ibadat, ça. Même pour ibadat, normalement, dans l'époque des Rasulullah, ben, madame, c'est séparé. C'est tout fait tawaf ensemble, c'est madame et madame, c'est séparé. Rien. Pas mingle ensemble. Zodil est un peu difficile. Zodil est un peu difficile. Mais à cause ça. Moi, je fais mariage mix. Est-ce que ça, c'est une preuve, ça? Rien? Est-ce que ça, c'est une preuve qui, sa fausseté là, bon? C'est pas comme ça. Et là, ils disaient, ouais, mais, tel pays, il imprime un tel ce livre. À cause ça, le dernier, la vérité. Fait, comment dire? Mon maison d'impression, moi, ou une côte, moi, mais, ou des arabes, fais un coup pour plaisir d'homme. Moi, l'imprimer. Vraiment, tiens. Moi, tu viens vérifier qu'il y en a dans le livre, là. Moi, mon imprime ça. Finalement, après, on a découvert que ça dit moun qui imprime, qui ça livre, il imprime pour lui, il y a un dit moun qui dans les garments. À cause, moi, mon imprime ça, il est correct. Jamais, il n'est pas comme ça. Nous pas mesurer la vérité dans sa façon, là. Nous mesurer la vérité par, guette ce contenu. Rien? Qui peut dire dans sa façon, là? Comme ça, nous mesurer la vérité par péché dit moun. Par, est-ce qu'il est la vérité, est-ce qu'il est le droit chemin? Et un problème de salaf, il dit, mon bien que ça n'a rien. Cheikh Oulissam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, ou Ibn al-Qayyim, il dit, un djimoun avec un tawhid, un aqida qui n'est pas corrompu, clair, les meilleurs et les nains tapéchés, qu'un djimoun qui a un aqida, clair, qui est corrompu et les pénalités tout péché. Tu ne comprends pas la parole là? Un djimoun qui l'a la vérité. Mais c'est pas les remplis avec péché. Les meilleurs qu'un djimoun qui l'a légalement, qui peut n'a dit tout péché dans lui, c'est pas son akida pas bon. Comprends bien qu'il nous veut dire. Rien? Alors, combien nous en a comme ça? Beaucoup nous en a. Peut n'a presque péché dans lui. Mais c'est pas son akida pas bon. Son akida pas bon. Alors, ça c'est parole de Ibn Taymiyyah, ou ça Ibn Qayyim, et dans le télé, moi, rappelle. Alors, ban frère, et ban sœur, c'est ban kilo as-sirat al-mustaqim, tout le temps, ou pour paraître étrange, ou pour trouver tigit. Plus beaucoup autour du monde dans les gammes. Et, Coran, il remplit avec ailleurs Coran. Allah vous dit, plus beaucoup c'est man qui part reconnaissant. Plus beaucoup c'est man qui est égaré. Plus beaucoup c'est man qui est dans le péché. Plus beaucoup c'est man qui, c'est pas man farsiqui. N'y a les mêmes comme ça dans sa faveur. Plus tu guides, tu vous trouves man du monde qui remercie Allah. Plus tu guides, c'est man du monde qui le lave. Y a les mêmes comme ça dans sa façon là. Ne vois pas sens, ça. Ne vois pas sens, ça. Clair? Et, le sahabi, Abdullah ibn Amr, il dit, hein, il dit, non, fille, mention, hadith, ça, les brutes, ça, il dit, dans notre hadith, il n'y a aucun prophète
qui ban di moun fin croire li dans façon qui ban di moun fin croire moi. Pas n'a aucun prophète qui ban di moun fin croire li dans façon qui ban di moun fin croire moi. Certainement parmi ban prophète et n'a prophète qui personne pas fin croire li dans ce ummat excepté un seul di moun et n'a zéro, zéro di moun. Et il y a zéro du monde. Donc, ce qui nous peut comprendre par ça, est-ce qu'il nous a fait nous diamant vin zéro? Il y a du monde qui résout le monde, ça, excuse-moi. Ouais, mais ça m'a dit, nous a fait diamant vin zéro. Qui ça m'a dit ça? Qui ça m'a dit ça? Ça m'a dit, le problème, c'est tiers du monde dans ma zide. Tiers du monde dans ma zide, moi, je me fais droit tous les jours quand ma tête, en regard là, avouez du monde pour nous gagner diamant. Dans certaines soirées que nous aurons ça. Avouez du monde, ben, voilà. Donc, nous pas là pour dire du monde, allez, nous là pour dire du monde, puis, vini, coster. Mais c'est moi, une réalité pour eux. Une réalité, une vérité, pour être une vérité. Alors, ça, c'est, hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ben, frère, et ben, ça nous termine avec ce hadith-là. Un hadith de Rasulullah al-Tirmidhi. Et ça, c'est une petite chose qui nous témoigne aujourd'hui. Disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, en l'époque qui pouvait venir, le ban djimoun, que celui, parmi ban-là, qui pour prendre patience le se digne de la vérité, clair, dit pour comment une personne qui peut attraper là, la braise, dit pas vous facile. Il n'a pas pour facile. Mon trouve, mon frère, relâché. Clair? Ça même dit mon longtemps. Tip, qui t'ose. Moi, on connaît qui dit mon nisan, diamant. On connaît qui dit mon nisan, diamant. Clair? Concernant, assisé dans tes shahoud. Normalement, comment on assise? Si nous pas fait ta warouk. Clair? Si nous pas fait ta warouk. Nous fait iftirage. Allez, nous passer le nom, les pieds, gauche, et nous supposons mettre les pieds droits des bouts de contre. Et là, il y a un problème dans notre pouce. Notre zone, puis la chair rentre. Ils ne sont pas capables de poser comme ça, de poser comme ça. Ça m'a dit, on a permissible de faire cela comme ça. Permissible. C'est clair? Permissible? Oui, permissible. Parce qu'il y en a une. Il y en a une raison. C'est clair? Alors, il y en a des gens qui, si tant sévère dans le dîne, machallah, quand on guette lui, sur l'apparence, ou pas trouve, non, il qui va branler. Ou pas trouve, non, il va branler. Machallah, là-bas, frère, pas toucher, pas tailler, pas tous aucune phase, aucune direction. Machallah, l'habillement islamique, pas traverse, pantalon, pas traverse cheville, comment on appelle, isbal, machallah, extraordinaire, les temps des causes dignes, les sons, machallah, tabarakallah. Rien. Ça représente les enfermements. Les mots expliquent, non, mais on a un problème. On a une raison, là, l'autre une poussière, c'est, alhamdulillah, c'est, il y a un système de tag. Correct? Ça m'a répondu ça, nous gagnons. Ok. Ça même qui, tout le temps, nous demande Allah subhanahu wa ta'ala, al-thabat. Zoudi, nous capables de la vérité, demain, nous capables dans, légalement, à cause de ça, qu'Allah fait une révèle, sa ayat qu'on a, ihdina al-sirat al-mustaqim. Reste demandé. Allah, le prophète, il me dit, Allahumma inni as'aluka al-huda, wa al-tuqa wa al-ghina, wa al-afaf wa al-ghina. Allah, m'a demandé un huda. Qui huda encore, tu veux demander? T'es pas déjà guidé? Qui veut dire ça? Qui veut dire, mon bébé, demande ta houda guidance? C'est-à-dire, continue maintenant, à moi, la guidance, parce qu'il nous vient trouver, qu'il vient arriver. Comme dit mon dit Lola, guidance, ensuite, finit égaré. Zodi, sa frère qui me fait référence à Lila, mon frère, ma soeur. Zodi, mon connu, faudrait lui dire, moi, il appelle, moi, un tel, va me reconnaître, moi. On comprend pas? Quand il nous joigne, moi, moi, un tel, vous pouvez reconnaître moi? Non, vraiment, vous reconnaître tout. Il y a Ibrahim avec ce joli là-bas. Dis-moi, il vient bien raser tout le passage. Moi, Ibrahim, vous pouvez pas dîner tout. Tu vois? Son physionomie est sensée. La bas blanche presque disparaît net, complètement, les mines presque la fresque longue. Pantalon, chemise, Harley Davidson. Tu vois? Bon, pas dire pas gagner droit à Harley Davidson. Moi, je vais dire ça. Mike, bike, il vient commencer Harley Davidson. Bottine, c'est pas qui qualité. Jacket, c'est pas la qualité. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité. À cause de ça qui, inna alladhina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu. Ça qui nous vient de demander à Allah, l'istiqama. Nous vient de demander à Allah, la fermeté, l'eau digne de la vérité. Parce que demain, nous n'a pas connu que ça, nous pas la terre, nous pas la terre. À cause de ça qui, mon frère, nous reste demandant, nous reste invite du monde vers la vérité pour unir le Coran et Sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est l'unité. Ça c'est l'unité. Entendez ce qui s'appelle l'unité qui nous t'entendait, c'est comment dire, science-fiction et ensuite, pénanoïe qui aboutit, qui concrétisé,
ça n'est pas jamais pour aboutir. Jamais pour aboutir aussi longtemps que. Parce que c'est la loi d'en dire Allah, comment cher Salih Al-Fawzan. C'est la loi d'en dire Allah, ça n'a pas mort là, n'a pas le vin, vite. Il invente la loi qu'appelle la loi de l'unité. Non, Allah même dit à nous. Claire? Ou attends, c'est mon bihablillahi jamia, ou à la tafarra. C'est dire Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais c'est moi. Comment pour unir, pareil, que moi, nous avons fait salat. Claire? Vin faire salat. Allah dit, on fait salat. Mais si nous faisons salat, comment chier à faire salat? Problème, pas problème. Donc, on fait salat, nous, ici, fait salat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qu'est-ce que c'est, Allahu Akbar? Claire? Ça, dans parole, c'est dans action. Différent, totalement, la mélangée. Comment, salam, pas exister, ça, hein. Les oiseaux me battent les ailes quand ça l'a fait. Ah oui, malédiction, Abu Bakr, Omar, Othman, Aïcha, Hafsa, Jibril, alayhi salam. Rien. Ça, c'est salat. Asta nous prend salat et des certaines van sec égarées encore. J'ai eu salat, il y a un peu de salat d'une autre façon. Il peut dire, oh, tu vas débout qui ou débout là. C'est pas un repos qui vous fera. Rien. Ou ça, vous faites repos, vous êtes debout, vous êtes fait repos. Rien de faire, ruku de faire, soujou de faire. Après, pénal, non, il y a autre salat. Vous êtes debout, faire ruku, mais ça se dit. Salat, pas salat. L'ininterprète, ça, salat. Rien. Alors, dans sa façon-là, et c'est la loi. Mais c'est moi, il y a une modalité, une prescrire, oui, une prescrire. Comme ça même, c'est la loi qui appelle l'unité, ou attends, c'est mon bihablillahi jami'an. Rien. Les voyez, une trace, un chemin, d'yannou. Ça, c'est chemin Allah. Chemin Allah, c'est Coran. C'est sunna, c'est sabilul mu'minin, chemin des man croyants, man sahaba, man tabi, man tabi tabi'in. Ça, ban là, c'est man chemin des man égaré, et un shaitan, le chaque chemin, fait très attention. Fait très, très attention. Voilà, ça, c'est une explication pour ce soir. Alors, inshallah, nous retrouvons pour une nouvelle session, notre bon frère, et alors, et ça, qui vient faire à l'appel là, l'importance de sa leçon là, l'important, mon frère, mon sœur, nous passons, ouais, comme ça, là, nous passons, comment dire, get dans la leçon, nous vous inquiétez, l'importance de ban leçon et ça c'est un parmi ban c'est très très important pour nous capables de différencier entre la vérité et le mensonge dans le monde Mohammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in jazakumullah khairan qala li non qala li non.